Tu peux mettre plein écran, s'il te plaît. Oui, c'est ce que je vais faire. OK, c'est bon. Oui, monsieur, vous pouvez commencer à enregistrer. C'est bon, il l'avait déjà fait. Ah, OK. C'est bon, pas de souci. Donc, bonjour à tous, je me présente. Je suis Rabbi Ibrahim. Je suis accompagné de mes coéquipiers Jean-Philippe, Kofi et Sergi. Je préfère pas prononcer vos prénoms, vos noms de famille, sinon je vais toutes les détruire. OK. Donc, c'est notre projet de grande envergure. C'est la conception d'un électroencéphalographe sans fil. Tu peux passer directement au plan si tu veux, ou même à l'intro. Donc, voici le plan. Je vais parler plus dans l'intro à la place de vous les mettre comme ça spécifiquement. Je vais vous expliquer plus dans l'intro de quoi il s'agit. Donc, dans cet exposé, nous vous présenterons la création d'un électroencéphalographe, communément appelé EEG. Tout d'abord, nous mettrons en évidence les exigences du projet ainsi que les échéanciers. Ensuite, nous aborderons le cadre réglementaire et normatif. Nous discuterons du choix de conception en nous concentrant principalement sur le processus de développement de celui-ci et montrer les tests du système, la performance et les résultats obtenus. Par la suite, nous nous pencherons sur les applications potentielles pour finir avec une ouverture qui englobe une vision future. Tu peux passer, s'il te plaît. Tu passes encore. Okay. Donc, tout d'abord, les exigences du projet. Donc, la conception d'un système d'acquisition et de traitement de signaux fonctionnels et performants. La conception d'une interface utilisateur agréable, tant bien du côté du patient que du côté du médecin. Et le dessin et l'impression 3D du casque. Pour ce qui est des échéanciers, je ne vais pas passer à travers tout en détail, mais en gros, le plus important pour nous, c'était le travail d'équipe. Donc, au début, nous avons fait une conception sur papier et c'était très important de bien la faire sur papier avant de passer au laboratoire et la reproduire. Ensuite, la répartition des tâches était très importante, puis pour le choix du matériel. Donc, le choix du matériel, c'était aussi une étape primordiale. Puis, puisqu'on veut contrôler ce qu'on peut contrôler, en fait, contrôler ce qui est contrôlable, nous avons eu quelques soucis avec la livraison des électrodes. Donc, ce qu'on a fait, on a conçu le projet au complet sans électrodes au début, puis comme ça pour pouvoir respecter les échéanciers et ne pas avoir du retard. Et ensuite, lorsque les électrodes sont arrivées, nous n'étions pas en retard et nous avons pu les intégrer dans notre système. OK, tu peux passer au prochain. Okay. On va parler du cadre réglementaire et normatif. Puisque nous travaillons directement avec des humains, c'était important de vérifier les réglementations du Canada. Donc, tout d'abord, un des problèmes, c'était le réchauffement des tissus corporels. Il fallait faire attention à ça. Un risque pour la santé à long terme, une hypersensibilité électromagnétique. L'effet aussi sur le développement des enfants. Donc, ce qui était important à prendre en considération, c'est le DAS, c'est exprimé en watts par kilogramme. Donc, selon les normes canadiennes, le DAS limite pour les appareils mobiles est généralement de 1,6 watts par kilogramme pour la tête et le tronc et de 4,0 watts par kilogramme pour les membres, comme les mains et les pieds. Donc, maintenant, je vais donner la parole à Jean-Philippe pour le choix de conception. Merci. Bon, bonjour à tous. Pour le choix de conception de notre module, nous l'avons divisé en
trois grandes parties ou en trois modules. Le premier était le système d'acquisition et de traitement qui est représenté ici. Nous avons un autre module qui est le système de transfert de données. Là, nous avons utilisé un Bluetooth pour notre transfert sans fil. Et puis, pour la visualisation des signaux et les bases de données, il est représenté ici. Maintenant, pour le choix des composants, au premier niveau, au premier étage, nous avons utilisé les électrotubules. Ces électrodes devraient nous permettre d'acquérir les signaux directement, les signaux cérébraux. Par la suite, nous avons utilisé des amplificateurs. Nous avons utilisé l'amplificateur AD620. Pourquoi nous avons utilisé cet amplificateur? Parce que les ondes cérébraux qui sont captées directement au niveau de la tête ont une fréquence qui varie entre 1 et 80 Hz. Donc, il nous fallait amplifier et puis le signal qui est transmis ici à l'ordre du millivolt. Donc, il nous fallait trouver un système pour pouvoir amplifier ces ondes. Donc, nous avons choisi les amplificateurs AD620. Avec ces caractéristiques que nous avons trouvées assez intéressantes, que ce soit au niveau du taux de rejet, décalage d'entrée ou de sortie, avec les tensions de dérivation. Donc, par la suite, nous avons utilisé un filtre passe-haut, passif, avec une fréquence de coupure d'un hertz. Cela nous permettait d'éliminer les basses fréquences dont le offset introduit par l'étage précédent, c'est-à-dire au niveau de l'amplificateur diffractionnel ou l'amplificateur AD620. Donc, après le filtre passe-haut, nous avons utilisé un autre amplificateur à gain. Cette fois-ci, c'est l'ampli Optiel 0700, 071. Ensuite, nous avons utilisé un filtre passe-bas passif pour éliminer les bruits des hautes fréquences. Et puis, avec un gain statique inférieur à 1. Donc, je passe la parole à Sergi pour la suite. Bonjour tout le monde. Je prends la main concernant la suite des événements. Comme mon collègue vous a mentionné tantôt, on a utilisé des filtres passifs. La difficulté avec les filtres passifs, c'est que le gain statique est toujours inférieur à 1, ce qui n'est pas avantageux pour nous vu qu'on veut amplifier au maximum les signaux récupérés par les électrodes. Alors, pourquoi il est marqué ici 4.1? 4.1, c'est pour signifier qu'il s'agit d'une solution alternative au filtre passe-bas passif, car le filtre passe-bas actif a un gain qui peut être supérieur à 1, ce qui est déjà bon, et ce gain-là est modifiable. Si vous voyez à droite, on a la formule du gain qui est modifiable en fonction de la résistance qu'on apporte. Alors là, on a choisi un gain de 2, ça veut dire que les deux résistances RA et RB sont les mêmes. On peut continuer. Par la suite, concernant le CAD, on a utilisé le CAD de l'Arduino. C'est une carte qui est vraiment extraordinaire parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec ça, dont le convertisseur analogique à numérique. Il faut noter que la plupart des Arduino ont 10 bits de résolution, donc des états de 0 à 1023. Mais celui-ci a des 14 bits de résolution. Puis le taux d'échantillonnage est à 10 kHz. On peut continuer. Maintenant, rendu à l'étage 6, ici, il s'agit plus de l'alimentation. Comme mes collègues l'ont mentionné tantôt, vu qu'on veut un truc portatif, on veut un kit portatif, on utilise des piles. On utilise les piles au lithium, mais au niveau de l'autonomie n'est pas très bonne parce qu'on a testé au laboratoire, puis les piles peuvent rester fonctionnelles pendant 1 à 2 heures. Ça consomme beaucoup lorsqu'on utilise cette carte-là. Alors, pour cela, on a utilisé deux régulateurs pour polariser les amplificateurs. Le premier pour avoir les tensions DC positives, le deuxième tension DC négative, puis on a une autre pile pour alimenter l'Arduino en question. On peut continuer. Alors, maintenant, je vais passer aux composants utilisés pour la réception, visualisation et les bases de données. Tu peux continuer.
Alors ici, il faut bien comprendre que la carte Arduino qu'on a choisie, c'est la carte Arduino Wi-Fi. Celle-là, elle utilise un Bluetooth Low Energy. Juste pour vous donner un petit exemple, je mets un tableau en dessous pour vous montrer la différence entre le Bluetooth LE et le Bluetooth conventionnel. Ici, vous voyez ici que pour le Bluetooth LE, on utilise des petites quantités de données de l'ordre de l'octet par rapport au Bluetooth conventionnel qui on envoie des streams de données, donc beaucoup de flux d'informations. Juste en dessous, vous voyez ici le débit binaire est assez peu élevé par rapport au débit binaire du Bluetooth normal. Ici, on est à 2 mégabits par seconde, c'est toujours beaucoup, mais par rapport au Bluetooth normal, c'est assez faible. Tu peux continuer. Alors, rendu à l'étage de réception, ici, on a utilisé Python qui supporte la technologie Bluetooth Low Energy et on utilise un PC pour la réception. Tu peux continuer. Alors maintenant, toujours dans la même lancée, concernant la base de données, nous on veut recevoir des données de manière non filaire, puis les sauvegarder sur une base de données. On a utilisé pour cela la technologie SQL. Peut continuer. Alors, on est rendu au processus de conception. Peut continuer. Alors, pour la conception, il faut considérer les réalités physiques. Ici, c'est présenté un tableau un peu grosso modo des types d'ondes qu'on peut retrouver en EEG. Vous avez les ondes delta, les ondes theta, les ondes alpha et les ondes bêta. Alors, juste pour faire un petit résumé de l'affaire, nous, ce qu'on veut, c'est amplifier le signal des électrodes qui est de l'ordre du microvolt pour une gamme de tension de 0 à 5 volts, qui est cette gamme de tension supportée par l'Arduino. À côté de ça, nous, on veut une bande fréquentielle de 0,5 à 45 Hz pour notre système. Parce que c'est dans cette bande fréquentielle-là qu'on peut recueillir les signaux. On peut continuer. Alors, je vous présente ici par les formules qu'on vous a présentées tantôt lors des composants utilisés. Ça, c'est à peu près le gain total de notre système. On est à 391 000 de gains. Et pour une bande fréquentielle de 0,47 à 60 Hz par rapport au filtre passe-haut et passe-bas. On peut continuer. Alors, pour notre conception, ça se passait en trois étapes. On a fait un design multisim pour avoir accès à une simulation pour essayer de visualiser à peu près comment peut le comportement de notre système sur le plan matériel. Ensuite, on a fait au laboratoire avec, comme mon ami m'a dit, les électrodes sont venues un peu en retard, ce qui a fait en sorte que au lieu d'utiliser les électrodes normales, on a utilisé un générateur sinusoïdal à la place. Moi, je trouve que c'est un peu mieux parce que là, on peut voir effectivement comment se comporte notre système et ainsi voir quels sont les signaux qu'on peut récupérer avec ça. Je peux continuer? Alors, c'est à peu près notre simulation. Vous voyez ici en haut, en rouge, c'est la tension d'entrée, channel B. On est là dans l'ordre du microvolt. Là, je vais passer au travers de tous les étages parce que là, c'est tous les étages qu'on a résumé ici. Tu peux continuer. Alors, vous voyez ici en rouge, toujours en bas à la fin, on est quitté du microvolt au voltage de ce qu'on voulait. Si vous voyez tu peux revenir. Si vous voyez ici en bas, on est quitté du microvolt au volt. Donc, c'est ce que nous, on veut. Tu peux continuer. Maintenant, on va passer au test et performance. Tu peux continuer. Alors, comme je vous ai dit tantôt, nous, ce qu'on veut, c'est, vu qu'on n'a pas d'électrode, de simuler le plus possible le comportement des ondes de notre cerveau. Pour cela, on sait que les ondes sont de l'ordre du microvolt, mais vu qu'au laboratoire, les seuls signaux sinusoïdaux qu'on peut avoir s'arrêtent au millivolt, là, on a utilisé un diviseur de tension pour, n'est-ce pas, quitter du millivolt au microvolt en entrée déjà pour simuler les ondes du cerveau et par la suite les amplifier pour le voltage que vous avez vu tantôt. Je peux continuer. Alors, comme je vous ai dit, la tension finale est en jaune. L'échelle, c'est 2 volts par division et on voit bien que la simulation correspond à ce qu'on trouve au laboratoire. On a pu quitter du microvolt au volt. On peut continuer. Alors, ici, je vous présente à peu près ce que je vous ai montré tantôt, la comparaison entre le filtre actif et le filtre passif. Tantôt, je vous ai dit, le filtre passif a un gain statique inférieur à 1, pendant que le filtre actif a un gain supérieur à 1. Ici, vous pouvez voir que j'ai choisi un gain statique pour mon filtre actif supérieur à 1 qui vaut 2. Et vous voyez à peu près que
le signal de sortie est plus amplifié. Et c'est ce qu'on veut. C'est un peu près la comparaison au-dessus. Et en dessous, vous avez à peu près le prototype de notre système avant emploi sur le boîtier. Je vous ai montré en rouge, c'est l'étage des usages de tension, comme je vous ai dit. En bleu, c'est l'étage de filtre actif avec un gain de 1. Et en 3, vous avez le filtre passif passe-bas. C'est juste pour faire la comparaison du haut. Maintenant, pour l'utilisation des électrodes, c'est à peu près les signaux qu'on a. Ne vous inquiétez pas, par la suite, on va vous expliquer à peu près à quoi ça correspond tout ça. On peut continuer. OK. Ici, c'est notre boîtier. Il n'est pas moderne comme le groupe de tantôt, mais il est assez explicite. Vous avez en 1 l'amplificateur. En 0, c'est les électrodes cupules, comme j'ai dit. En 2, c'est le filtre passe-haut, comme j'ai dit. En 3, vous avez l'ampli-op. En 4, vous avez l'amplificateur actif. En 5, vous avez le CAN de l'Arduino, l'entrée analogique, entre guillemets. Puis en 6, vous avez la pile puis les régulateurs. Les deux régulateurs sont là, juste à côté de la pile. Et vous avez notre pile pour alimenter l'Arduino. C'est un peu pas notre boîtier. Et vous voyez bien que ce boîtier-là reflète bien le schéma du dessous. On peut continuer. Alors, maintenant, tout ce qui est côté matériel a été complété. Là, on va passer au côté logiciel, côté expérience utilisateur. Parce que nous, ce qu'on voulait, c'est que l'utilisateur ait une bonne expérience quand il utilise notre logiciel. Ici, c'est lors du démarrage du logiciel. Tu peux continuer. Ensuite, voilà comment se présente notre logiciel assez convivial. Vous avez deux boutons pour soi. Vous avez deux boutons pour soi. Le profil du docteur, le profil du patient. Tu peux continuer. Je suppose que je suis au profil du patient. Vous avez un formulaire pour la base de données ici. Tu continues. Maintenant, cette interface-là, c'est pour le patient. Ça dit de rechercher l'Arduino, c'est-à-dire de rechercher le système qui envoie les données. Après, vous avez un bouton qui partage ces données sur la base de données. Tu peux continuer. Alors, comme je vous ai dit tantôt, je vous ai expliqué à peu près les signaux qu'on a retrouvés. Alors, cette interface-ci, c'est le signal après réception Bluetooth. Donc, c'est le signal du PC qui reçoit les données de l'Arduino. Vous voyez à peu près, ce qui est marqué en bleu, c'est quand le patient ou l'utilisateur, il ouvre les yeux. C'est ces signaux-là qu'on retrouve. Et on essaie de faire une petite comparaison avec les signaux qu'on trouve généralement en médecine, sinon c'est à peu près similaire, si vous voyez bien. Je peux continuer. Alors, pour la base de données, c'est là ici. C'est juste pour vous montrer à peu près que la base de données est là, elle est fonctionnelle. Et puis les informations, c'est entré au fur et à mesure que les données arrivent dans la base de données. En dessous, vous avez un diagramme de classe. Tu peux remonter. Vous avez le diagramme de classe de comment se présente la base de données. Vous avez le bloc de données électrode, patient, puis les données elles-mêmes qui sont représentées au-dessus. On peut continuer. Alors, ça, c'est à peu près la même chose. Mais comme j'ai. Tu peux revenir, tu peux revenir. Cette slide-là était pour montrer que du volet gauche, l'utilisateur peut personnaliser la manière dont il va recevoir les données. Donc, si on voit en abscisse, on peut définir la durée de réception des données. Et en ordonnée, on peut définir le maximum de données qu'on peut recevoir. Tu peux continuer. Maintenant, cette interface-ci, c'est pour si l'utilisateur a pressé le bouton médecin. Donc là, on est sur le volet médecin. Donc l'utilisateur a cliqué sur profil médecin. Là, il remplit un formulaire. Tu peux continuer. Ensuite, ce formulaire débouche sur cette interface-ci. Il peut visualiser le graphique et prendre des notes, c'est ce que nous on veut. On peut continuer. Grosso modo, je sais bien tout ce que j'ai dit, mais c'est mieux en vidéo. Alors, ça, c'est le essai qui démarre. Vous avez l'interface graphique juste ici. Avec chaque implémentation.
Là, l'utilisateur s'envoie sur patient. Il remplit un formulaire pour la base de données. Ensuite, il va rechercher le Bluetooth nécessaire et partager la donnée sur la base de données. Si maintenant je suis le médecin qui va lire ces données-là, là je rentre mon nom et le nom du patient. Vous voyez, c'est chaque fenêtre a son customisable. Donc, il y a le nom du patient qui s'affiche, puis tu peux générer le graphe et prendre des notes si tu es médecin. C'est beau pour ça. Tu peux continuer. Maintenant, on va vous présenter la vidéo qui présente à peu près tout notre projet. Tu peux pas tout en écran, s'il te plaît. Ça l'a ouvert sur une autre page, je pense, non? Le lien est sur une autre page, je pense aussi, ouais. T'es muté, Jean-Philippe. Ah, c'est pas visible. Non, il faudrait que tu partages la page Ok, ici. On le c'est voit bon, c'est peut-être. bon, c'est bon. Donc, je suppose que c'est bon maintenant. Pour partager Parfait. le son aussi. Va falloir enlever ton casque. Il n'y a pas de son. Au pire, c'est pas grave pour la vidéo, on peut faire comme le groupe 1 puis l'envoyer vu que ça marche pas avec le son maintenant. Laisse Pour que l'envoyer. ça finisse sa vidéo. OK. Vu qu'il n'y a pas de vidéo, je vais expliquer à peu près ce qui se passe. Là, je tentais de recevoir les données venant de mon collègue. J'ai estimé un temps à 20 secondes, puis une tension maximale à 5 volts. Les données sont arrivées. Là, ça sort que le temps nécessaire est dépassé. Ensuite, je vais partager les données sur la base de données. Maintenant que c'est fait, je m'en vais. Je suppose que je suis le docteur. Là, je vais ouvrir volet docteur. Je vais remplir le formulaire pour la base de données également. En dessous, j'ai écrit Monsieur Pablowski comme patient. Très illustratif.
Alors, vous avez l'interface personnalisée avec Monsieur, Madame Pabloski comme patient. Là, je vais générer les signaux que vous avez vus. Les signaux sont là. Ensuite, je vais appuyer sur une note pour, mettons, inscrire les notes s'il y a un problème au niveau des signaux, etc. Les notes sont là. Donc, du coup, si je suis un docteur, je pourrais inscrire les notes relatives aux signaux que j'ai vus, puis donner un petit diagnostic. C'est beau pour la vidéo. Vous avez bien vu que la communication est non filaire, ça se fait par Bluetooth et puis ça marche très bien. Tu peux continuer? Alors, je vais laisser la parole à mon collègue pour l'application potentielle. Ok, donc merci bien. Mon nom, c'est Kofi Kwame. Je vais donc vous parler des applications potentielles de notre électroencéphalographe sans fil. Et il se trouve que c'est un projet qui peut être appliqué dans le suivi des troubles cérébraux, à savoir dans le suivi des traitements pendant tout ce qui est maladie qui affecte le fonctionnement du cerveau, à savoir les troubles neurologiques, tout ce qui est troubles mentaux, les lésions cérébrales traumatiques, l'épilepsie et même les AVC. Et ce projet peut être aussi utilisé pour tout ce qui est évaluation de la charge mentale, à savoir le fait de mesurer même la qualité de travail mental exigée pour n'importe quelle tâche. Et c'est un projet aussi qui peut être utilisé dans l'amélioration des performances cognitives, le fait d'augmenter et d'optimiser la capacité cognitive d'une personne. Et c'est un projet aussi applicable en neurologie et en neurofeedback. Il se trouve que les neurologues utilisent plusieurs technologies pour diagnostiquer les maladies dans leur domaine, à savoir les IRM, les scanners et autres. Et il se trouve que l'électroencéphalographe est un appareil aussi qui a un apport aussi assez appréciable. Voilà, slide suivant. Au niveau des améliorations du futur, il se trouve que nous avons un processus dynamique. Après la conception de notre encéphalographe qui vise ici à améliorer constamment les différentes performances de l'appareil et à les adapter plutôt ses fonctionnalités en fonction des besoins changeants des utilisateurs et des avancées technologiques, à savoir le fait d'imprimer le circuit pour gagner en espace afin de miniaturiser le système de traitement. Nous comptons aussi augmenter le nombre d'électrodes afin de capter le plus d'ondes cérébrales possible. En termes de conclusion, nous pouvons dire que notre projet de conception de l'électroencéphalographe sans fil représente une étape significative vers la création d'un dispositif innovant et pratique pour la surveillance de l'activité cérébrale à distance. À travers ce projet, nous avons atteint plusieurs objectifs clés, à savoir la conception et le développement technique. Il se trouve que le test de validation, l'innovation et la contribution aussi. Et bien que notre projet ait été couronné d'un succès, nous avons également rencontré certains défis et obstacles liés non seulement à l'approvisionnement des électrodes, comme on l'a mentionné plus haut, et l'impression 3D de notre casque, entre autres, qui a vraiment été lié à d'autres défis techniques. Et notre projet de conception d'électroencéphalographe sans fil représente non seulement une réussite technique, mais aussi une opportunité de contribuer positivement au domaine de la neurologie et de la santé publique. Donc, ainsi prend fin la présentation de notre projet. Nous ne saurons terminer sans toutefois dire merci à M. Michael Pavlovski, M. Alim Boutayeb et M. Ali Abdallah. Ils nous ont vraiment soutenus lors de la réalisation de ce projet. Merci.